Gratuit. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo 2 sur les tunnels de vente en e-commerce cette fois-ci. Donc maintenant, on va voir comment modifier la page de paiement. Ça va être assez rapide. Donc si vous vous souvenez, moi je vendais un zoom pour appareil photo. Donc ce que vous allez faire dans ressources, vous allez cliquer sur un petit plus, choisir un produit physique et choisir le zoom téléphone. Ça veut dire que à chaque fois qu'un client va acheter, vous aurez un email dans vous aurez la commande ici. Voilà. Le tarif de l'offre, eh bien, il va falloir que vous créiez un nouveau tarif. Donc, on va faire nom de l'offre Zoom téléphone, nom du produit Zoom téléphone, description de la transaction, on peut mettre Zoom téléphone aussi. Page de paiement Zoom Pro. Hop. Et choisir le type de l'offre, on va mettre un paiement unique à 20 euros. Enfin, 19,99 plutôt. On enregistre. Contenir que. Ah, ok. Voilà. Ok. Ici, on remet 20 et on enregistre. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer un order bump. Un order bump, en fait, c'est une petite case que le client a juste à cocher pour augmenter le panier moyen. Donc on va mettre order bump, ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Eh bien, il faudrait en fait créer un produit physique. Il faudrait recréer un produit physique. Donc je vais le faire directement. Donc je vais enregistrer ici. N'oubliez pas de Impossible de mentionner sauvegarder l'équipe l'étape du français pour ne tunnel. pas rater les Ah oui, prochaines vidéos. effectivement. Donc ça, on va enlever. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Vente, Produits. Je vais créer un nouveau produit. Je vais mettre Order Bump, je sais pas, moi, lave écran téléphone. Et je vais enregistrer ça. Voilà. Donc, je retourne dans mon tunnel de vente. Tunnel de vente N'oubliez pas e-commerce. de vous Ma abonner à page la de chaîne paiement. YouTube Et si donc, ce n'est l'Order pas déjà Bump, fait. maintenant, je peux rajouter une ressource, produit physique. Et lave écran. Je vais mettre un tarif pour cet order bump. Donc je choisis un tarif que je vais créer. Je l'appelle lave écran, là aussi. Donc là, on va mettre clean screen. N'oubliez pas de vous abonner à la Écran chaîne Wiki français pour ne pas rater nos 100% prochaines propre. vidéos. Voilà. Donc là, lave écran et choisir le type paiement unique. OK. Et là, on va mettre ça à 10 euros. OK. On enregistre. Et ici aussi, 10 euros. Voilà. Hop. Voilà, bon, déjà, on sait ce que le client va acheter et comment la commande va être enregistrée en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir un peu à quoi ressemble cette page de paiement pour l'instant. Nos prochaines vidéos. Donc elle est plutôt sympa. Livraison offerte, sélection des quantités et l'order bump. Ok. Donc moi je vais un peu modifier ça. Donc je retourne ici. Je clique sur modifier la page. Donc et votre cadeau offert. Donc ça je vais enlever le cadeau offert vu qu'on l'a enlevé. Votre code de N'oubliez pas de réduction vous abonner à la de chaîne YouTube français 30%. pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Est réservé pendant. Voilà. Étape 1, les coordonnées, je ne vais pas changer. D'ailleurs, il n'y a pas d'étape 2. On va mettre étape 2 ici. Voilà. Donc là, évidemment, je vais mettre mon produit à moi. Ok, je vais N'oubliez pas mettre de mon vous produit. abonner à la chaîne Wiki français pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Zoom Pro. Donc vous obtenez 30% de réduction maintenant, plus une garantie de 30 jours. Ok, donc ça, je ne peux pas le modifier. On va voir pourquoi après. La quantité, choisir un type quantité. Ok, donc ça, on peut laisser.
Quoique la personne va en prendre qu'un seul, donc je vais enlever la quantité. Je vais essayer de rendre ça au plus simple. Vous abonner à Et la donc ça, chaîne je vais Vidéo pour ne modifier. pas rater nos prochaines Eh vidéos. bien, hop. Alors, bump name. Donc, obtenez le screen clean pour un écran propre. Obtenez zoom pour un écran propre. Pour, ah non, avec 50% de réduction. Hop. Ça, je vais mettre entre guillemets. Comme ceci. Et donc ici, il faut que, eh ben, je décrive mon produit. Obtenez screen clean. Le produit qui nettoie vos téléphones avec 50% d'un offre disponible uniquement sur cette page qui c'est simplement voilà. Et donc là, je vais mettre 10 euros. Hop, on va mettre 10 euros au lieu de 19,99. Voilà. Là, on a quasiment une page de vente qui est bien. Donc, on enregistre. On sort. Et donc, si on va voir cette page, on a bien. Voilà notre produit. Alors, le prix, on ne l'a pas indiqué. Il faudrait qu'on indique le prix quelque part ou par PayPal. Voilà. Donc là, on peut payer. Il faudrait configurer également, ben, ici, le fait d'ouvrir vers une page, que ce soit un Outlook ou même mettre son mail. Donc là, il faudrait qu'on rajoute le prix quelque part et la petite case à cocher qu'on peut cocher pour bah, que le client paye un peu plus. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste quitter cette page. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier maintenant la page de vente à la page de paiement. Donc, vous allez copier le petit lien ici et vous allez enregistrer. On va retourner dans la page de vente. Vous allez cliquer sur modifier. Alors, sur tous les boutons qui appellent à l'achat, eh ben, on clique dessus, rediriger vers une page et vous mettez l'URL de cette nouvelle page. Vous faites ça partout. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Tout simplement. On enregistre. On va revoir cette page. Donc, si vous vous souvenez, ça c'était le petit tunnel de vente fait très rapidement et un peu grossièrement dans la vidéo précédente. Et donc, chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton, on va être redirigé vers la page de paiement, tout simplement. Donc là, ma page de paiement, elle est presque bien. Ce que je ferai, c'est que je mettrai une petite photo ici de mon entreprise, mon logo. Ici, j'afficherai le prix un peu mieux. J'aurai aussi mis un produit gratuit et je mettrai l'order bump un peu plus haut. Je le mettrai juste dessous, je pense, pour être un peu plus, bah, pour que ça rende un peu mieux. Mais voilà, on est pas mal. Donc là, ben, vous avez vu comment créer une page de vente, comment configurer les produits que vous allez vendre, créer un tarif. Maintenant, je vais vous montrer, la page d'upsell et bah, on vient aussi de voir comment lier la page de vente à la page de paiement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour créer un upsell. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour bénéficier de 14 jours d'essai gratuit du logiciel System.io et pour ne pas rater mes prochaines vidéos et la suite de cette formation gratuite, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Merci et à la prochaine.